Bonjour chers élèves, aujourd'hui on a une leçon de grammaire, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect avec nos élèves de la sixième année de l'enseignement primaire. Tout d'abord, on reste avec le tableau suivant. On a les phrases et on a à gauche, à droite, plutôt le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Dans la première phrase, Youssef dessine un arbre. Dans cette phrase, le complément d'objet direct, un arbre. Youssef dessine quoi? Youssef dessine un arbre. Dans la deuxième phrase, elle écrit à sa mère. Elle écrit à qui Elle écrit à sa mère. Donc, à sa mère, c'est un complément d'objet indirect. Dans la troisième phrase, le maître parle à ses élèves. Le maître parle à qui Le maître parle à ses élèves. Donc, à ses élèves, c'est le complément d'objet indirect dans la, troisième, la quatrième phrase nous avons j'ai pris mon petit mon petit déjeuner j'ai pris quoi donc j'ai pris mon petit déjeuner dans la phrase suivante selma parle à sa copine selma parle à qui selma parle à sa copine à sa copine c'est le complément d'objet indirect dans la dernière phrase, tu manges une poire. tu manges quoi? tu manges une poire. donc une poire, c'est le complément d'objet direct. donc, comme vous voyez, dans le tableau, le complément d'objet direct, il y est directement au verbe. et dans le complément d'objet indirect, le complément d'objet indirect ici dans les phrases, nous avons une Préposition. Chers élèves, pour bien comprendre le tableau précédent, on reste avec la règle suivante. Le complément d'objet appartient au groupe verbal. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Le complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi. Il est relié directement au verbe. Exemple, il écrit sur son carnet de voyage. Il écrit quoi Le complément d'objet indirect répond à la question à qui à quoi, de qui, ou de quoi Il est relié au verbe par une préposition, soit la préposition à, soit la préposition de, soit la préposition avec. Et il y en a d'autres prépositions. Exemple Il parle à son agent de voyage. Il parle à qui Le complément d'objet peut être. Premièrement, un groupe nominal. Il feuillette un album de photos. Il feuillette quoi? Il feuillette un album de photos. Un album de photos, c'est un groupe nominal. Le complément d'objet peut être encore un nom propre. J'ai appelé Saïd. J'ai appelé qui? J'ai appelé Saïd. Saïd, c'est un nom propre. Le complément d'objet peut être encore un pronom. Je lui ai écrit. Je la veux. Et il peut encore finalement être un verbe à l'infinitif. Il préfère voyager. Il préfère quoi? Il préfère voyager. Chers élèves, on reste maintenant avec quelques exercices concernant le complément d'objet en général, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour la première question, nous avons souligné en rouge le complément d'objet direct et en bleu le complément d'objet indirect. Pour la première phrase, Najat appelle son frère. Pour la deuxième phrase, nous parlons au chauffeur. La troisième phrase, Ayub prend sa casquette. La phrase suivante, on sonne à la porte. Et la dernière phrase, mon père parle au téléphone. Dans la deuxième question qu'on va voir, donne une seule phrase qui contient un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Finalement, chers élèves, on reste avec la correction des exercices que j'ai donnés auparavant. Pour la première question, souligne en rouge le complément d'objet direct et en bleu le complément d'objet indirect. Pour la première phrase, Najat appelle son frère. Najat appelle qui Najat appelle son frère. Donc c'est un complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, nous parlons au chauffeur. Nous parlons à qui Nous parlons au chauffeur. Au chauffeur, c'est un complément d'objet indirect. Pour la phrase suivante, Ayoub prend sa casquette. Ayoub prend quoi Ayoub prend sa casquette. Sa casquette, c'est un complément d'objet direct. La phrase suivante, on sonne à la porte. On sonne à quoi On sonne à la porte. C'est un complément d'objet indirect. Pour la dernière phrase, ma mère parle au téléphone. Ma mère parle à quoi ma mère parle au téléphone donc c'est un complément d'objet indirect pour la deuxième question la phrase qui contient un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect je vous propose ici une phrase j'offre un cadeau à mon père un cadeau j'offre quoi j'offre un cadeau donc un cadeau c'est un complément d'objet direct. Je ferai un cadeau à qui À mon père. À mon père, c'est un complément d'objet indirect. Merci bien et à la prochaine.